On se réveille, bienvenue, nouvel épisode à surveiller week-end. Donc, nous avons pas mal de choses à faire. On a une corde sur notre droite, à notre sortie. Nous, on va faire comme le tourisme. Bienvenue mesdames et messieurs, sur votre droite, si vous pouvez regarder, vous avez une corde qui monte, on ne sait où, hein, on ne sait toujours pas où. Et vers l'avant, nous avons un cerf qui galope quelque part et nous devons lui mettre une flèche dans la tête. Et sur notre gauche, nous avons deux lapins qui traînent. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est comme ça. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Par contre, il fait encore nuit. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va déposer le bois. Pam, pala, pam, pam. On va déposer le bois ici. J'ai campé là avec le sac de couchage, alors qu'on aurait pu dormir ici. Mais, comme j'ai dit, genre 16 degrés, par exemple. Là, on est encore en chaud. Ah... Je pense pas que ça peut descendre trop bas ici, la température, donc je crois pas qu'on ait besoin de faire ce que je fais là. Mais au cas où, hein, on a toujours le côté intrus hein, qui peut foutre la merde, où il fait très très froid. Genre on a eu du moins 50, du moins 60 je crois. Je sais pas si on est allé à moins 70. Je me demande si on est déjà allé à moins 70. Je crois qu'on est allé à moins 56, des trucs comme ça. Dans tous les cas, on va à la chasse. Dans tous les cas, on va à la chasse. Ça, on va le laisser là. Ça me pèse. Du coup, on va genre attendre un peu. Hop. Ok, dormir une heure. Parce que s'il fait froid, une heure, ça va. Si c'est 10 heures, on se réveille pas. 10 heures, on gèle. Il fait un peu soleil. Il fait un peu soleil et il a l'air d'avoir un temps de merde dehors. Enfin, du vent, quoi. Mmh. On va attendre qu'il fasse vraiment jour. Parce que... je suis pas sûr pour les lapins, en fait. Merde. C'est pour que les lapins sortent et tout ça. Je suis pas complètement sûr en fait si on va les trouver. Donc je préfère attendre qu'il fasse vraiment jour et puis voilà. Allez, let's go. Voilà, là c'est bien. Donc on a une corde là. Ah, on pourrait... ah, on dessinera après. On dessinera quand on sera en haut. Genre on pourrait prendre la corde directement et comme j'ai dit je veux d'abord le cerf. J'ai pas de pierre. Ah j'ai pas de pierre. Et je veux les lapins aussi. Ouh ça, par contre il fait froid quand même. C'est un peu chiant ça. Lapin, lapin. Deux fois lapin. Donc notre cerf se baladait ici. Maison. Ah oui oui oui, on c'était au début là. On s'était arrêté là-bas. Serre, ok là-bas. Donc du coup, enfin t'es un peu loin mec. T'es un peu loin. Ouh, il y en a deux. Ça va être un peu embêtant de se les faire. On va devoir faire un feu en plein milieu pour éviter de geler et après récupérer la viande peut-être. Je suis en train de me dire. Je pense.
Non, par contre, on a froid. Elle va trembler. Ils vont exactement dans la même direction. C'est chouette. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Il y en a trois. Ça nous en fait un. Là-bas, il y avait quoi exactement dans la cabane? Est-ce que ça vaut le coup de découper le machin et de le ramener là? On peut jamais utiliser la loupe, hein, c'est ouf. Quatorze bois, ça fait plus d'une heure. Ça va. Rajoute du bois pour que ça soit chaud. Pas assez chaud. C'est bon. Pas mal, pas mal. On pourrait déjà faire deux steaks vite fait. On va croiser les doigts pour pas que ils ventent. Comme ça on aura déjà deux steaks dans l'estomac. Hein. 40 minutes. On va prendre la peau. C'est le plus important. 10 minutes. Il est où l'autre? Longtemps, il doit être là-bas. 28 minutes à peu près pour prendre la peau. Après, dans 6 minutes. Ah, c'est des pierres à aiguiser aussi qu'il nous faudrait. Ça va, on est bien là. Je pense qu'on a bien géré notre temps, ça va.
Donc on pourrait remonter en fait par là-bas pour aller directement au pénitencier. Ou alors on retourne à la grotte et c'est ce qu'on va faire. C'est complètement ce qu'on va faire. On va prendre le plus de nourriture possible. Les boyaux on les prend pas, ça sert à rien. Parce que... c'est trop embêtant en fait à transporter parce que du coup ils vont nous sentir de loin et tout ça. On va prendre la nourriture là aussi. Et après on retourne dans notre grotte. Pour le moment on est tranquille. Par contre, il fait quand même froid. Hein. Une heure 13, 40 minutes. Ok, faudrait qu'on se réchauffe. On en a combien d'avance? Parce qu'il faut que je regarde en fait. Je veux toujours en avoir deux d'avance en fait. Voilà, très bien. Pas mal là, c'est pas mal. Là, là du coup on a deux pots et beaucoup de nourriture. Donc ça c'est bien. On va pas tout prendre parce qu'il y a trop de nourriture, mais au moins on en aura un morceau. 24 minutes, 8 minutes, je vais voir. Là on n'a rien à faire, là on est bon. Ça c'est bien, on peut aiguiser un peu. Bah putain, il m'a fait peur, ok. Ça. Encore 33 minutes. Ça sert à rien de l'attaquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, je sais qu'on a un mauvais temps, mais je sais pas si ça va. Nourriture et boisson. On peut le mettre sur le l'arbre, non? Je veux que ça soit sur la carte en fait. Yes. Maintenant, on pourrait aller là-bas. Je suis en train de me dire que est-ce que la corde mène pas là-bas? Mène pas sur le côté gauche. Genre on va prendre la corde peut-être pour rien. Mais bon, on va le faire quand même. Ça... comme ça on verra. Par contre du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les lapins? On les prend ou pas les lapins? Est-ce qu'on prend les lapins ou pas? Je dirais oui, ce serait quand même vachement bien d'avoir des peaux de lapin en plus. Les peaux de lapin, c'est le truc, la chose qu'on va utiliser le plus possible, le plus souvent à cause des moufles et du bonnet. Ça s'abîme très facilement en fait.
Elle est où la pierre? Elle est là. Pierre qui roule. Et ça tape dans les boules. Lol. Pardon. C'est le froid, je m'en fous. Viens ici le lapin. Voilà. Très bien. Non, 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 tu drops que dalle. Tu drops rien du tout. On va aller... on va grimper cette corde. Et je suis sûr, quasiment certain que ça... C'est juste pour aller de l'autre côté, en fait. Je pense pas que ça soit un endroit, genre, uniquement accessible par là. Quasiment sûr de ça. Bon, bah sinon, ça s'est très bien passé. On a des pots en plus, on a de la nourriture en plus. On va devoir prendre une corde, donc ça veut dire que... Bah, on va devoir tout laisser par terre, c'est bien. Ça se traduit un peu comme ça par contre. Alors déjà on va faire tac tac. Très bien. Alors les lapins. Ouh, on a bien fait de rentrer. Oulala, qu'on a bien fait de rentrer. Vous la sentez là, la bonne décision d'être rentré au bon moment? Vous la sentez bien? Parce que moi je la sens bien. Ah là là, ce temps quoi, incroyable. Donc on a ça, donc on pourrait faire un feu. Mais honnêtement, on n'a pas vraiment besoin parce qu'on a encore ça. Donc ça servira un peu à rien. Ça serait gâché en fait des allumettes pour rien, donc on va pas le faire. Par contre, du coup, il fait combien dehors? Oh. 18. Et là. Bah alors, on est toujours protégé. Ah, le vent, il vient de là. Ouais. Bon, c'est pas grave. En fait, je voulais voir si ça, si on pouvait dormir dans le lit devant, là, pas le lit en peau d'ours. Je pense qu'on peut. J'en mettrai pas vraiment ma main à couper, quand même. Bon bah voilà. Voilà voilà. Est-ce qu'on couche? Non, on n'a pas de... Non mais le tissu descend en fait. Le tissu arrête pas de descendre et on en récupère pas. Donc on va pas le faire. On va dormir le plus possible, ce qui est pas beaucoup. On va prendre... Et après on va prendre la corde. Et voilà. Après, il nous faudra de l'eau. J'espère qu'on va trouver de l'eau. Ou alors, on devra en faire. Ok, on est en pleine nuit. Ramasser. Je vais voir un peu. Me dites pas qu'on... Non, c'est pas ça que je vais faire. On est... Yes! Bingo! C'est bon, ça. Ah, parce qu'on commence à avoir plus d'eau en fait. Plus
Par contre, vu le son là, c'est pas bon. Oh mon dieu. Ok, j'espère qu'on va vite la trouver, la grotte. J'espère qu'on va vite la trouver, la grotte. Et on va vite se mettre à l'abri. J'ai pris le sac de couchage, hein. Ouais. Bonjour, je cherche une mine. Strictement rien qui indiquerait une mine. C'est quoi ça en face? C'est des loups. T'es venu là ou pas? Il y en a un sur toi. Ok. Ok, ça va. Donc même en aurore boréale... Mais là, en fait, il n'y a pas la musique et tout. Donc est-ce que c'est considéré en... Oui, oui, c'est considéré en vrai aurore boréale. Mais on était venu là. Ah, on était venu là. Quoique... Quoique... Pas sûr en fait si c'est le même ou pas. Dans tous les cas, donc même s'il y a une aurore boréale et qu'on a tué la meute il y a pas longtemps, ouais on était venu. Et la meute là pas longtemps, on est ok. On n'a pas de problème. Donc ça c'est super bon à savoir. Ça c'est super bon à savoir. Du coup on va déposer toutes les peaux. Et le bois. Par contre, ce qui m'embête, c'est... Du coup, on fait quoi, nous? Du coup, on fait quoi? On va poser ça, comme ça, on s'en tirera pas. Du coup, faut trouver la mine, quoi. C'est affolant de pas trouver la mine comme ça. Je vais en profiter, hein. Si le loup nous fait rien... Aïe 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 aïe, y a la musique. Il nous faudrait un panneau, genre là-bas peut-être? Genre là? Jesus, it's cold. Ah, on va devoir dormir. Ah, c'est cette mine hein, qui m'embête. Hein. Putain, je veux la trouver, moi. Ah oui, du coup, on a un coussin, là, je crois. Non, j'avais pas vu coussin. Ah non, c'est une boîte en carton. Étagère. Okay. Genre, on peut casser ça. 2 heures. De toute façon, je suis pas fatigué. Quoique si, en fait. J'ai rien dit, en fait, si. Elle est un peu fatiguée. Vu qu'on a sprinté... Là, du coup, on est moins fatigué. T'éteins pas avant que je finisse. Yes. Ok, parfait. Faut qu'on boive. J'ai pas bu. On voit rien, quoi.
Qu'est-ce que je voulais dire? On commence à manquer d'eau. Ouais, c'est ça que je voulais dire. On commence à manquer d'eau. On doit être dans les 1 litre. Mais je voudrais bien en fait m'arrêter pour faire de l'eau dans la mine. Si jamais on trouve la mine. C'est ça que je voudrais faire en fait. Non, 0,75. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort avec toute notre barda ou pas? Oh, quoique, non. Non, attends. Matériaux. Alors là-bas, non, on vient de là-bas. Si on vient de là-bas ou pas? Oh là là! On vient de plus loin, nous. Attends, on va se retaper une meute. Il y a un message, il y a un message. Mine, mine, mine. Ça, c'est mine, ça. Il y a un cerf là-bas. Mine! Ouais, mais c'est une blague ou pas? Parce qu'on me l'a déjà faite, hein. On me l'a déjà faite. Bon, du coup, là, on a mis toutes nos peaux au même endroit. Et le bois. Et honnêtement, c'est pas un endroit pourri, c'est un endroit facile d'accès. Donc, à la limite, ça va. On va le laisser là. Dis-moi que c'est une boisson. Yes. Donc, à la limite, on va le laisser là. Dis-moi qu'on est sur le chemin de la mine. Did I say I hate being cold? Because I really do. Éboulement, d'accord. On va prendre de la hauteur. Putain, il fait froid. Si je trouve pas la mine, j'arrête. Hein. Je joue plus. Voilà, je joue plus. C'est fini. I'm too cold to think. C'est super mal indiqué. Cet endroit. Oh, on a des maisons. Oh oh! Lapin. Oh oh! Ah non, c'est pas une maison. Je crois que c'était une maison, c'est un caillou en fait. Bon, maison là-bas quoi. Deux lapins. Je vois toujours pas de mine, tombe pas. Je dirais peut-être là-bas. Bon, là déjà, ça a un peu plus de sens. Genre un petit lac avec une petite maison. En plus, elle est en pierre. Un bateau. Un bateau, oui. Ça a un peu plus de sens pour un emplacement de mine, on va dire. Allez, avance. Mais avance. Retraite du maçon. Ok. Il y a tout le monde qui part à la retraite en fait. Ah, pas un truc fermé. Bon, c'est pas grave. Ça j'aime bien. Un coupe-vent à 0%. C'est bien ça. Tu penses que tu peux utiliser ça? Sérieux? Sans déconner. À 0%? Merde. J'ai... Oh putain. On l'a utilisé pour rien, c'est pas grave. Enfin, pour très peu. Donc, tu penses vraiment que tu peux utiliser ça, ma petite? Je pense pas. Je doute. Je doute de ce que tu dis. Bon, du coup, on peut vivre plus ou moins ici. Allez, donne-moi un truc super. Voilà, cool. Hop. Très bien. Yes, let's go. Parfait. Donc, par là. Par là, on a de la mine. Genre, le panneau, il était là. Genre, le canyon des cendres était super bien
indiqué. Le canyon descendre était top. Était vraiment top. Là, c'est le bordel pour trouver 3 mines, quoi. Bon, on a les lapins. C'est déjà ça, il fait extrêmement froid. Les lapins, ils étaient derrière. Moi, je dis, oh, il y a le vent. Ouais, il y a une tempête qui va se lever, là. On va pas aller très loin. Oh, élan. Oh, faut faire gaffe. Ça, c'est élan, ça. Ouh, ouais, j'avais pas prévu ça, par contre. Je vais juste être sûr qu'il n'y a rien de ce côté, là, parce qu'on ne voit rien. Non, ça va. Il faudrait des pierres, j'ai pas envie d'utiliser mes flèches. Non, je vais pas utiliser mes flèches. J'ai hésité, hein, mais non. On prend un peu de bois. Bon, on va rentrer. Bon, je crois qu'on a un bon camp là. Je crois qu'on a un bon camp. Par contre, ça c'est un élan qui traîne là. Donc faut faire attention. Mais je crois qu'on a un bon camp. Ça a l'air d'être assez chaud, même si on peut pas fermer. Ça a l'air d'être assez chaud. On peut faire un feu, tranquille. On a encore un peu de bois à casser si on veut. Je suis en train de me dire... Il y avait une personne, j'avais vu une vidéo, j'en ai déjà parlé, j'avais vu une vidéo où il faisait jour à l'extérieur. Bon là il fait, là c'est couvert là, donc ça marchera pas. Mais il voulait faire en fait du feu à l'intérieur. Donc ce qu'il a fait, il a allumé en fait avec la loupe à l'extérieur. Il a pris une torche, il l'a balancée à travers le trou. Comme ça il a pris la torche et il a allumé le feu. Tout ça pour parce qu'il n'avait pas d'allumette le mec. Donc du coup il a pas eu besoin d'allumette, il a pris la loupe et ça a suffi. C'était assez ingénieux. C'est vrai qu'on peut balancer des choses là. Bon, du coup, nous, on va balancer des choses. Ça, on peut mettre combien? 40 kilos, ça va. On va mettre matériel ici aussi. Non, stockage. Comment on fait? Changer la forme. Stockage. Merde. Stockage. Parce que tout ça, je suis pas sûr qu'on le reprenne en fait. Alors, on va casser ça. Temps de se réchauffer, passer du temps. Je pense qu'on a peut-être un meilleur temps. Enfin, on n'a pas de vent, c'est déjà ça. On va essayer de prendre les lapins. Gardez un œil ouvert hein, pour l'élan. Je
Si on entend un galop, on se casse. Hein. Taillot. Hein. C'est taillot, taillot. C'est taillot et on se mettra... Ben, en fait, notre maison, elle est bien placée parce qu'on peut monter, on peut se... Je pense pas qu'il puisse rentrer à l'intérieur du bâtiment, l'élan, s'il vient nous... C'est le lapin qui fait ça, ouais. S'il vient... Je dirais là-bas. Pour les grottes. Là-bas ou là-bas. Vu comment c'est aménagé, qu'il y a moins d'arbres et tout ça là, je dirais que ça fait un chemin. Donc je dirais ce côté-là. Je pense pas trop dire de conneries en avançant ça. Alors, du coup, il nous faudrait... Il nous faudrait de l'eau. On va se réchauffer en faisant ça, déjà. Ah oui, et du coup, pourquoi le mec, il balançait la torche? Parce que après, vous pouvez me dire, oui, non, mais il y a une porte, il pourrait passer par la porte avec la torche. Non, non, c'est parce qu'il y avait du vent, en fait. Il était bloqué par le vent, il soufflait, il s'était mis derrière la maison pour éviter que sa torche soit soufflée. J'ai envie d'aller vérifier. Genre j'ai envie d'avancer. Non, on va encore attendre. On va se mettre à fond. J'ai encore une... Je vais voir ça. Yes, très bien. Voilà, on est chaud à fond et après on va visiter quand même. Et après je crois qu'on va faire un feu. Pour faire de l'eau, surtout. Donc on va en profiter pour récupérer un peu de bois aussi. Pas trop froid. Oh. Faut rester à la guet là. À l'affût. Prendre de la hauteur et dessiner. Très bien. C'est grand, hein, ce chemin encore. Encore un panneau. Dis-moi qui a écrit mine. Mine. Genre, c'est compliqué de mettre kilomètre. Non. Ou mètre. C'est compliqué de mettre la distance, de rajouter la distance sur le panneau aussi. Parce que s'il faut, dans 3 ans, on y est, quoi. Non, mais t'es sérieux. Mais regarde-moi ça. C'est le... On dirait un champ de bataille. Tu vas me dire que la mine, elle est là-bas? Aïe. Bon, par contre, il nous faudrait de la bouffe. On a laissé les lapins derrière nous. Je pensais honnêtement pas que ça allait être aussi long. C'est quoi ça par terre? C'est un corps? Non, c'est un bout de bois. Non, mais sans déconner, quoi.
assez ouf. Mais sans déconner, on va où là? Bon, maintenant je peux plus faire demi-tour. Hein. Je peux plus faire demi-tour. Là, on avance. Là, on va dans la mine et on se réchauffe dans la mine parce que là c'est trop. Hein. Mine. Merci. Oh, grotte. Attends, chut, j'entends des bruits. Non, ça a l'air d'être ok. Grotte pointue. Non mais... non mais s'il te plaît, on a fait toute cette distance, on a toujours pas trouvé la grotte. Mais c'est affolant. Mon dieu. Enfin, je me plains pas, mais je trouve ça marrant, quoi, de le truc, la mine... Genre, tu sais, c'est un con, en fait, un connard qui est passé par là, il a mis des panneaux, il a trouvé genre 4-5 panneaux, genre avec écrit mine dessus, il s'est dit, ah tiens, je vais les mettre les uns après les autres, et ça va dans un mur. Genre, le mec, c'est... Il a voulu faire sa blague. Il a voulu faire sa blague, il a trouvé ça drôle. C'est con parce qu'il n'y a que lui qui trouve ça drôle. Attends, on va prendre de la hauteur. Oh non, pas maintenant. Pas maintenant, on va être bloqué dans la grotte. Moi je vais être bloqué dans la mine. Ouais, non, je vais pas me... Je me déplace pas quand on voit rien. Non. Ça, c'est un truc. À chaque fois que j'ai voulu me déplacer dans une région que je connais pas, même une région que je connais, et qui faisait un temps comme ça, ou du brouillard à donf, j'ai toujours regretté énormément. Et à chaque fois, on a failli crever. Donc là, non. Là, on va pas le faire. De toute façon, on a encore ça à boire, si jamais on veut faire de la boisson. Mais après, on a encore du bois. Donc, on peut faire de l'eau. Donc, ce qu'on va faire, on va dormir 2 heures. Le temps de se réchauffer et tout ça. Et avec de la chance, c'est parti. La tempête. Ok, d'accord. Bon, c'est pas parti. Encore dormir 2 heures. Je voudrais pas trop dormir parce que je voudrais récupérer plus de bois pour faire de l'eau. Sinon, on va s'assoiffer en fait. Bon, si on est dans la merde, on va en faire de l'eau. C'est pas grave. Maintenant, il fait nuit, c'est bien. Ok. J'espère qu'on a une belle vue. Waouh, ok, d'accord. Je vais être honnête, on voit pas grand chose. Je suis désolé. On va reprendre le même chemin parce qu'on avait une belle... On surplombait un peu le paysage. Je sais pas si on peut... Non, ça a l'air trop pentu là. Par contre, alors attendez, faut bien que je regarde. Parce que là on est un peu dans la merde. Si jamais il y a quelque chose. Il y a des loups.
Il y a deux loups, au moins. Ok, le plan, ça va être demi-tour à la maison. Parce qu'on a beaucoup de bois là-bas. J'ai pris le sac de couchage, hein. D'accord. Non, là on va pas combattre des loups de nuit, parce que là ce serait complètement con. Il y en avait deux côte à côte en fait, donc du coup je pense que... Et puis honnêtement ça fait un moment qu'on a tué la meute. Donc je pense que là on va se faire choper par la meute, si on se fait repérer. Donc on rentre à la maison. La maison est plus ou moins safe. On a vu qu'il y avait des lapins et tout ça, donc ça devrait être bon. Je pense pas que les loups viennent jusqu'ici. Je pense que où on a vu les loups, ils doivent sûrement avoir l'entrée de la mine. Genre ça me paraîtrait... Putain, même là-bas, ça a l'air grand en fait, sur ce côté-là. Ça me paraîtrait logique que... ça soit protégé en fait par... par des loups. Et en plus, on a une aurore boréale. Du coup, on pourrait bien les voir. Hein. On pourrait bien les voir, les loups. Hein. Ils seraient tous fluorescents. Utilise beaucoup d'allumettes hein, dans cette saison là, mais bon, on n'en trouve pas des masses, j'ai envie de dire, mais bon, on se débrouille, on fait avec ce qu'on a. On n'est pas trop fatigué, c'est très bien. Du coup, toi, tu viens là. Comme ça, on aura un peu de viande. Bon, bah, je crois que ça va être la fin de notre épisode. Du coup, on n'a toujours pas trouvé la mine. Ah, ça m'embête un peu quand même. On est à moitié, on a encore 34 massettes, ça va. Ah, c'est un peu la merde hein, de faire ça à chaque fois sans fait tout en fait.
potable, potable, très bien. Potable, très bien. Bon, ça va. En fait, ça se passe. On arrive à bien survivre pour le moment, mais si on, enfin, si on trouve pas de genre d'endroit où s'arrêter et tout ça, en fait, c'est là, c'est à ce moment-là qu'on va être dans la merde. Bon, pour le moment, ça va. On trouve des endroits, mais peut-être pas trop tenter notre chance non plus. Donc le prochain épisode, ce sera à tout prix la mine. À tout prix la mine, parce qu'il faut un peu avancer en fait. Après là, on continue à utiliser des allumettes. Je suis pas super fan aussi d'utiliser autant d'allumettes, hein, je vais être honnête. Il faut vraiment qu'on commence. Parce que avant, je me forçais un peu, maintenant, c'est vrai que là, je l'ai pas fait. Mais il faut qu'on se force à genre s'il fait beau, s'il fait soleil et beau, on fait du feu grâce grâce à la loupe. Parce que c'est vrai que j'en ai pas, je l'ai pas fait une seule fois encore depuis dans cette saison là. La plupart du temps à chaque fois je disais si jamais il fait beau à un moment dans votre aventure, pensez à faire du feu pour grâce à la loupe. Parce que ça, la loupe, c'est pas... le soleil, c'est pas tous les jours, quoi. C'est un peu comme en Bretagne. Enfin, non, c'est pas tous les jours. J'ai pas dit que c'était jamais. Donc, c'est pas vraiment comme la Bretagne. Mais, du coup, faut en profiter. Et là, j'en ai pas profité une seule fois. Mais, encore une fois, pourquoi? C'est parce qu'on est tout le temps en vadrouille, en fait. On est tout le temps à explorer et tout ça. On est tout le temps à avancer. Donc, bon, c'est normal aussi. Mais faudra faire attention. C'est là on en a plus que 25. C'est marrant, ça s'aiguise plus vite la hache. C'est 5 minutes, c'est pas 10 minutes. À la limite, on va la finir la pierre. Enfin, bientôt on la finira. Là, on n'est pas super fatigué, autant faire beaucoup d'eau. Un truc qui me manque, c'est les mods, là où on pouvait entasser les choses et tout ça. C'était vraiment, vraiment bien. J'avoue que c'était cool. Là on a le couteau, c'est quoi, c'est 5%, on peut le faire. Après on va pas le faire, parce que sinon, je crois qu'on va perdre, je crois qu'il va être à 100% et sur la pierre on va perdre 5%. Je crois. Donc faudra faire attention. Par contre ça on peut la mettre à 100%. Et comme ça la prochaine fois on jette la pierre. Voilà, très bien. Attendez, on va faire cuire la viande. 13, 26 minutes. C'est marrant, ça fait pas de bruit. Ouais, là c'est le bivouac, hein, tranquille. On mange du lapin, on boit de l'eau. J'aimerais bien boire de l'alcool à la place, mais bon, il n'y a pas. Après, on a encore du café, de la tisane. Tout un tas de trucs, 21, 15. Ça va, on peut se réchauffer avec ça, hein, ça va. Ça va très bien. Ouais, non, honnêtement, on a du bon... Notre matos est nickel, hein. y a rien à dire. Hein. Ça va. Mais c'est vrai que cette zone, en fait... Ah, on a 2 fois 24. Ah, ok, ok.
de voir. Je suis pas fou. Oui, surface en bois, ça. Ah oui, oui. Parce que j'allais toujours dans ce sens-là, en fait. Et on a 2x24. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah, ça va. Pff. Moi qui m'inquiétais pour... Moi qui m'inquiétais pour le... les allumettes. Est-ce qu'on ressent toujours la chaleur ici? 40 degrés. 39. Et là, là quand on est sorti, 3. Ok. Et là, j'imagine que du coup, on ressent la chaleur si on travaille ici. 9 degrés. Donc on peut mettre du feu ici. Je crois que c'est fait exprès, c'est pour ça qu'elle est de ce côté, la cheminée. On peut travailler en fait tout en restant au chaud. Moi j'aime pas quand il neige comme ça. Je vois strictement rien. Non, on va rester à l'intérieur, ça j'aime pas. Encore une heure. Tiens, tais-toi et bois. C'est exactement ce qui s'est passé. On l'a fait taire. On l'a fait taire en buvant. Ah, c'était marrant ça, tiens. C'était comique. C'était assez drôle. Ah, vous voyez les vêtements. Genre il y a 62%, 72, 72. Donc si on pouvait au moins faire ça, la chapka, les moufles, serait bien, surtout la chapka, parce que j'ai pas envie qu'elle se casse. Après les bottes qu'on aura. Enfin, de toute façon, honnêtement, je pense que ça va se passer comme ça. C'est qu'on va rentrer dans la mine. Le temps qu'on se balade dans la mine, parce qu'elle doit être encore méga grande, j'imagine. Les peaux, elles seront sèches. Elles seront totalement sèches. L'archiduchesse a fait sécher les machins. Je suis sûr que tout ce qu'on a mis au mobilhome sera tout sec. Donc du coup, on pourra recoudre en fait directement tous nos vêtements. Mais voilà, mais c'est loin quand même. Putain, c'est grave, grave loin. Et la prison, elle est là. Genre la mine, elle est là. Comme ça. Et on va faire ça. Peut-être qu'après, il y a d'autres mines, hein, mais je suis pas sûr. minutes. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 litres. On a 1 litre sur nous. Ça va nous faire encore 1 litre là. De 71. J'ai envie de faire encore un peu de d'eau. Désolé, la fin de l'épisode, c'est juste faire de l'eau. Je sais, mais bon, hein, faut bien. On n'a rien à faire. Non, on va pas coudre. Ça, honnêtement, je voudrais la casser pour récupérer 3 plumes au lieu de 2. Mais vu qu'on a des problèmes avec les flèches, on va pas le faire. Mais voilà, ce serait une idée aussi. C'est bête qu'on n'a pas les fûts de flèches sur nous. Ça c'est bête, on pourrait faire au moins 4 flèches. On n'a plus de nourriture aussi. Je suis en train de voir ça. Bon, en tout cas, on va activer l'eau, pardon, parce que... En fait, je vois, là, j'ai déjà dépassé l'heure. Donc, pardon. Allez, on va faire ça. Et j'ai pris l'eau non potable, très bien. Je fais de la merde. Eau potable. minutes, est-ce qu'on en fait encore? On a plus de 10 litres.
On a plus de 10 litres, ça suffira. On va ramasser un, comme ça on a toujours deux sur nous. Un et deux, très bien. Et on va dormir, désolé. Des fois je me perds un peu. On va en manger 4. Juste pour être monté. Et l'épisode prochain, bon, on va devoir combattre encore des loups. Je sais pas trop comment on va les faire, parce que ça a l'air très exposé. J'ai pas trop vu d'endroit où on pouvait se mettre. Mais on va devoir sûrement combattre encore des loups. Et puis on va essayer de trouver la mine. Ça sera notre but ultime. Voilà. En tout cas, ça sera tout. Ça va, on est toujours bon. On est pas en danger, rien. Ça va. Mais ouais, la prochaine fois, on verra. Et peut-être qu'on trouvera un élan aussi la prochaine fois. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.